domaine de la Gendronnière à Candé-sur-Beuvron, Loir-et-Cher. Une centaine de stagiaires venus de France et du reste de l'Europe achèvent un séjour de 9 jours durant lequel le maître japonais Taizen Deshimaru leur a enseigné la pratique du zen. Nous sommes dans le dojo, c'est l'heure de la méditation. Assieds-toi et tu croiras, pourrait-on dire. Le zen, le zazen, c'est d'abord une posture. La posture assise avec ses trois éléments, attitude du corps, respiration, attitude de l'esprit ou encore éveil à la réalité au-delà des apparences visibles. Assis sur un coussin rond, la colonne vertébrale aussi droite que possible, les jambes en posture de lotus ou de demi-lotus, on respire lentement, profondément, tout par-delà. C'est ce qu'a découvert un homme assis sous un figuier il y a 25 siècles en Inde, non loin du Gange. Il s'appelait Bouddha. Depuis lors, le zen, qui n'est pas une religion, s'est propagé en Chine, puis au Japon, et maintenant en Europe, où il fleurit depuis 67, année de la venue du maître japonais Taizen Deshimaru. Le zen a été transplanté d'Inde en Chine, et de Chine au Japon. Il change toujours d'endroit. C'est passé comme ça dans l'histoire. Moi, je veux l'amener de Japon en Europe. Mon zen qui s'est implanté en Europe influence maintenant en retour le Japon. Ainsi, les jeunes japonais commencent à pratiquer très, très fortement. Comme vous le savez, ce qui concerne les plantes, les arbres, quand ils deviennent vieux, ils déclinent et ils perdent de leur force. Alors à ce moment-là, il faut les transplanter. Ainsi, à ce moment-là, ils peuvent s'épanouir de nouveau dans d'autres endroits, dans d'autres terres, peuvent retrouver de la force et de la fraîcheur. Le zen n'est pas une religion, mais une discipline de concentration. Son enseignement concret vise à une transformation psychophysiologique de l'individu. À la Gendronnière, les stages s'enchaînent jusqu'à la fin de l'été. 3000 personnes auront bénéficié de l'enseignement du maître Taizen Deshimaru à raison de 9 jours par stage. Il en coûte 1000 francs pour découvrir la clé qui ouvre le royaume intérieur.